Salut! Bienvenue dans ta future école. Je m'appelle Eve et c'est moi ta guide pour aujourd'hui. En passant, fais pas le saut! Notre mascotte Pat est en liberté dans l'école et je te mets même au défi de la trouver. La place publique, c'est le cœur de l'école. C'est un lieu de rassemblement unique où on se regroupe pour écrire, pour parler entre amis. Chaque midi, l'équipe de la radio étudiante P405 diffuse des bulletins d'infos et prend les demandes spéciales pour nous faire jouer de la bonne musique. Plusieurs activités ont lieu à la place publique. Les cours d'art dramatique, les pièces de théâtre, les concerts du stage band et les grandes conférences de l'école. La cafétéria se trouve juste à côté de la salle publique. C'est souvent le premier endroit où les élèves de secondaire 1 se rassemblent lors de leur première journée à l'école. La café est accessible à tous les matins, au récré et sur l'heure du midi. Tu peux y réchauffer ton repas au micro-ondes ou profiter du service de traiteur pour un repas chaud. Le club des petits déjeuners te permet aussi d'y amorcer ta journée avec tes amis. Pour les plus gourmands, sachez qu'une collation gratuite est offerte à tous les matins à chaque élève. Ici, c'est le gymnase, le repère des Patriotes, nos équipes sportives. C'est aussi l'endroit où on ne s'ennuie jamais. Tu veux bouger avant, pendant et après tes cours? C'est ici que ça se passe, autant pour les cours d'éducation physique, le programme Vie active et nos nombreuses activités parascolaires. L'école organise aussi ici ses galas et les activités pour les élèves lors des journées spéciales. Juste à côté se trouve la salle de musculation, les tables de ping-pong et la piscine où on peut profiter du bain libre le midi. Dans le gymnase de cheerleading, je suis vraiment dans mon élément. C'est dans ce gymnase tout équipé pour la gymnastique et le cheerleading que je fais toutes mes pratiques. L'ensemble des élèves a aussi accès au local pour certains cours d'éducation physique, entre autres pour le judo, l'acro-gym, la musculation et même le parcours. Il y a aussi des cours de danse et de gymnastique libre le midi et plusieurs autres activités et conférences qui se passent ici. Je me trouve maintenant à la bibliothèque. C'est l'espace tranquille pour lire, faire tes devoirs ou un travail d'équipe dans les cubicules. Tu peux aussi finaliser un travail à l'ordinateur que tu peux ensuite faire imprimer. De nombreux livres et ouvrages de référence sont là pour toi. Tu peux emprunter jusqu'à 5 livres avec ta carte étudiante. Différentes classes profitent aussi de la bibliothèque pour assister à des conférences, parce que la bibliothèque, c'est aussi un lieu d'animation. On entre maintenant dans une autre dimension. Ici, c'est le paradis des apprentis créateurs de jeux vidéo. Les élèves du programme de jeux vidéo et de modélisation 3D apprennent à la fois l'animation, la programmation, la modélisation, bref, tout ce qui entoure la conception de jeux vidéo dans ce grand laboratoire informatique. Celui-ci comprend de puissants ordinateurs, deux imprimantes 3D et des lunettes de réalité virtuelle pour que les élèves puissent visiter leur propre jeu. Ici, c'est un local de sciences où on apprend à travers plusieurs expériences et démonstrations. Je fais partie du programme d'éducation internationale et on a la chance de faire plein de projets scientifiques vraiment trippants. Mais que tu sois en sciences ou dans une autre matière, tu découvriras à l'École internationale du Fort des enseignants et des enseignantes passionnés qui offrent des cours divertissants, vivants et enrichissants. Mm-hmm.